Et bonjour, bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tenter une expérience, ok? On sera nombreux à passer par ce moment dans notre vie. C'est pas obligatoire, mais c'est fort probable. Aujourd'hui, je vais devenir papa pendant une journée. Non, je te crois pas. Bah, oh, mais gros Sam, t'es revenu? Encore? Ah, ça fait plaisir, mec. Hey, comment ça va, gros? Ça va, toi? Moi, ça va très bien. Mec, je vais être papa aujourd'hui. Mais non. Est-ce que j'ai pas une tête de daron? Pas du tout. Voici Henriette, une petite fille de 3 mois. Elle est tellement mignonne, les gars. Elle est en train de me pisser dessus, gros, ça fait 3 secondes. Mais mec, elle a foutu partout! Putain, Henriette! J'ai pas fait ça n'importe comment. J'ai des petits accessoires. J'ai un pot, j'ai un petit biberon, une petite assiette, une petite cuillère, un petit bavoir, une couche. Mec, j'ai jamais changé de couche de ma vie. C'est vraiment gros, je crois que c'est vraiment le truc qui m'angoisse le plus au monde. Vraiment, avoir un enfant, ça va. Changer sa couche, ça va plus. Ça va plus. C'est traumatisant. Ah, c'est traumatisant, gros. Ça sera pour son bain à la fin de la journée. Et évidemment, ce truc. Henriette ! Henriette ! La pauvre ! Ça va, Henriette ? Tu n'as rien ? Écoute, première petite chose, on va poser Henriette devant un petit film pendant qu'on va construire son landau. Parce que, attendez. Waouh. Bon, alors, Henriette, maintenant qu'on y est. Les gars, est-ce que je vous dérange ou pas? Vous me dites, hein. Petite Suki, je t'ai pas présenté. Regarde, Henriette. Oh là là. Ouf. Oh, ça fait mal, gros. Ça fait très mal. On va te mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre, gros? Moi, je pensais à un truc du style... Conjuring. Bah, Conjuring, c'est un bon film familial. Hein. Il est en train de défoncer mon canapé, là. Comment est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois... Oh, regarde, c'est un faux bébé, je suis déjà dépassé. Attends, quoi, c'est un faux? C'est un vrai bébé, gros, regarde, mec. Regarde. Elle pleure. Tu vois ou pas? Ah là, c'est là, c'est les larmes. Ah non, mais Henriette, putain. Gros, je suis trempé. Hey, ça là, c'est toi si tu vas pas à l'école, ok? Et si tu me ramènes pas des 17 sur 20 en maths. Alors, ce petit landau. Est-ce qu'on peut préciser que c'est pas un placement de produit? Bah là, je pense qu'on l'a compris tout seul, hein. Oh là là, mais t'es marre. Parce que un parent, il doit être absolument à l'épreuve de tout. Il doit pouvoir monter des meubles, il doit pouvoir... faire ses devoirs. Faire les devoirs de l'enfant. Et ça, oh putain. C'est compliqué. Papa, comment on fait une division? Une divi quoi? Ça se mange même? Ça. Gros, je pensais que ça allait me prendre 5 minutes, ça m'a pris 20 minutes. Franchement, y'a moyen. J'en peux plus. On va dormir maintenant, c'est bon? Bah, bien sûr, mec, on va. Oh non! Oh putain, bah voilà, maintenant, mais non, les mecs, c'est l'heure du biberon. Henriette, bah oui, je t'ai pas oublié. Tu sais quoi? Je vais te mettre dans ce petit berceau. Ouais. Alors, maintenant, occupons-nous du biberon. Pour ça, rien de plus simple, on va aller dans la cuisine. Et on va remplir du coup le biberon d'eau. Mais lui, ça boit du lait, gars. Pas du tout, mec. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est une légende que le gouvernement veut nous faire croire, mais c'est une légende urbaine. Les enfants, ça boit de l'eau. Ça suffit. On va prendre du coup en... Mais, oh, gars. Merde, putain. Attends. Attends. Henriette. Attends. Merde. Henriette. Mouillé. Bah voilà, tu m'as pissé dessus, moi aussi je te pisse dessus. C'est comme ça que ça devrait se passer. C'est pas comme ça qu'on éduque des enfants. Moi, mes parents, ils ont fait comme ça, ça se passe très bien. Ah, moi, tu mords, je te mords, tu me pisses dessus. Je te pisse dessus. Je te pisse dessus. Le petit bavoir est en place. Et là, hop, merci beaucoup. On va pouvoir lui donner à manger. Eh, est-ce qu'on dirait pas que j'ai fait ça toute ma vie? Non. Mais là, je pense qu'elle m'a l'air, elle m'a l'air de bien kiffer son truc, là. Alors, Henriette, comment ça se passe? T'en mets partout, putain! Oh. Putain, mais c'est une
pisseuse d'élite, hein. Mais putain, gros. Mais mec, je vais te mettre là. Attends. C'est l'heure de changer la couche. Parce que là, c'est la merde. Oh putain, y a de l'eau partout. Mais mec, c'est un truc de ouf. En fait, quand, je sais pas, quand tu bois, c'est pas un trou, c'est pas tu bois, ça pisse. Bah c'est, moi aussi. Hein. Ah bon? Ah ouais, en effet, ça fait un, c'est un petit pipis, hein. Ah ouais, ça je reconnais. Alors attends, comment on met une couche du coup? C'est là que tu vois que je suis déjà dépassé par un faux bébé. Un vrai bébé. Alors imagine quand j'aurai un enfant. Hop. Est-ce que c'est pas une couche super bien mise, ça? On dirait les protections des cascadeurs, tu sais. Bah écoute, franchement, je pense que c'est à peu près la même, même utilité, bon. Parce qu'avoir des enfants, putain, c'est une vraie cascade. Et on a mis par... une vraie cascade. Et on reprend notre petite séance de biberon, voilà. Après, cette petite erreur de parcours, qui peut me juger? Moi. Ta gueule! Après le biberon, qu'est-ce qui se passe, Sam? Il faut toujours faire... La sieste? Non, le roux. Bah alors Henriette, ça me dégoûte gros. Après le biberon et l'euro, évidemment, la sieste. Qu'est-ce que tu penses de ton landau? Je crois qu'elle aime pas de ouf. Hein. Donc, ça va dormir. Bah ouais, pas de traitement de faveur. Pas de traitement de faveur, c'est pareil pour tout le monde, hein, à un moment. Sam, pas de bruit. Bonne nuit Henriette. En vrai, je comprends les parents de ouf. Mec, c'est qu'une espèce d'expérience bidon. Et gros, je suis déjà fatigué. Et en plus, je suis trempé. Imagine, c'est ça tous les jours. Et en vrai, là, vraiment, je le redis, mais c'est rien. Je fais juste pour de faux, tu vois. Pour de faux, quoi ? Pour de vrai, mec. Pour de vrai, c'est un vrai bébé. Henriette, c'est un vrai bébé. Chut. Bref, maintenant que Henriette dort, on ne fait pas de bruit. Et on va se reposer jusqu'à l'heure de la sortie d'Henriette, où on va aller la balader dehors avec une poussette. Très bien. À tout de suite. Bon bah écoutez, ça fait déjà une heure, mine de rien, il est quoi, il est 15h que Henriette dort et justement mec, eh bah elle pleure, elle s'est réveillée. Bah alors Henriette, comment elle s'est passée ta petite sieste? C'était pas mal hein, t'es contente? Elle est contente non? Elle louche un peu mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors, hop, ma petite Henriette, là il est quelle heure? Il est l'heure évidemment de... il est l'heure de ton biberon puisque en fait un bébé quand il pense ça fait que manger, dormir et pisser. Et casser les couilles. Et casser les couilles. Tu vois, ok, elle est déjà protectrice, elle a déjà adopté. Alors, t'as adopté Henriette? Est-ce que ça se mange? Alors Henriette, comment ça se passe? Comment ça se passe la vie là? Je rappelle. Elle est encore en train de me pisser dessus là. Mais putain, regarde! Je suis déjà trempé! Mais c'est pas grave, parce que être parent, c'est aussi le sacrifice. Et c'est ça qui est beau, Sam. C'est beau ce que t'as dit là. Henriette, mais elle est où? Lucas? Henriette? Frère. Henriette, t'es où? Mec, elle est là! Henriette! Oh mec! Mais hé, 3 mois est déjà au pot. Eh putain, je suis fier de toi, Henriette! Je suis fier de toi là! Ça, c'est bien, Henriette. Tu sais quoi? Tu m'as tellement régalé que t'as mérité la petite balade dehors. Allez. Petite balade avec une petite poussette? Go, c'est parti. C'est parti. Et regarde en plus, hop là! Hop là, apparition! Petite poussette qu'on a montée. Franchement, elle est pas qualifiée. Il y a le carton juste là. Elle est... C'était infernal, gros. C'était horrible. Alors, on va la caler. Juste comme ça. Tac. Allez, en roue. Eh bah c'est parti mon gars. Eh, première balade avec Henriette, avec mon enfant. Je suis ému limite. Putain, c'est fou mec, c'est la première balade avec Henriette gros, c'est incroyable. C'est quoi ça? Mec, on dirait un emballage de fou. Pas du tout. Non, pas du tout mec. Pas du tout. Eh ben écoutez, première petite balle, regardez-moi ça. J'ai OK à droite, Henriette à gauche. Henriette, est-ce qu'elle est grave bien là? Mec, elle est posée, hein? Elle a l'air zépo, hein? Gros, c'est carré, on est bien. C'est vrai que je suis vraiment archi saucé, gros. Par contre, j'ai un espèce de lion à droite là qui arrête pas de tirer. ce qui me fume, gros, c'est que les gens ils comprennent pas. Ils comprennent pas, gros. OK, qu'est-ce que tu fais? On balade Henriette là. Allez, viens. Allez, tu sais quoi? Attends deux secondes. Je sais ce que tu veux. Attends 2 secondes. Je pose Henriette juste ici. Parce que les besoins d'Henriette, c'est bien, mais il y a des besoins de cas aussi. Allez,
Allez, on continue la balade. Tu peux me dire un petit peu comment est-ce qu'elle va, l'autre, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vue. Bah franchement, non, elle se portait bien tout à l'heure, j'ai joué un petit peu avec elle et tout. Regarde comment elle est mise. Elle est où? Mec, elle est où? Mais je t'avais dit de la surveiller. Mais gros, je l'ai surveillée. Mais elle est où, gros? Mais... je sais pas, bien. Et Henriette, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais Henriette? Je t'avais dit, gros, de faire attention à cette fréquentation. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, gros. On déménage, faut qu'on déménage, gros. Mais putain, les mauvaises fréquentations, ça va tellement vite. Putain, Henriette, mais. J'ai tout fait pour que t'aies une bonne éducation et c'est comme ça que tu me remercies. Super. Putain, ça dit en bas des blocs. Putain, on rentre. Non, mais n'importe quoi. Allez, maison. Bon, et bah écoutez, on est rentré, Henriette. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Sam? On a fait quoi? On a fait une petite balade, on a fait la petite sieste, on a fait plein de petites choses. Qu'est-ce qu'un bébé a besoin encore et toujours? Oh, de manger. Eh ben, on va manger encore, mec. Petit moment repas, et après, ce sera l'heure du bain. Parce qu'au final, Henriette est allée dehors. Ah, vous l'avez vu, elle s'est baladée un petit peu dans la rue. Même si je suis extrêmement choqué de ce qui s'est passé, Sam. Henriette! Fier de toi? Ah, est-ce que t'es fier de toi? Le petit Ro. Toujours elle y va, Henriette, hein. Allez, on change la couche, mec, elle est trempée. Mais Théma, gros. Bah, Henriette. Bon, par contre, j'ai qu'une couche. Du coup, on va faire comme si c'était une nouvelle couche, ok? Faites pas ça avec vos enfants, par contre. Changez de couche, hein. Allez, on va préparer le petit bain. Alors... Tu l'as fait tomber? Pas du tout, mec. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui te dit que je l'ai fait tomber? Hop, et on va faire couler le bain. Alors, évidemment, je précise qu'on va pas gâcher l'eau. Après cette vidéo, je profiterai de ce bain avec grand plaisir, mec. Avec moi? Pas avec toi. Non, vraiment tout seul, mec. Mais je m'appelle Grand Plaisir, en fait, donc... Avec grand plaisir. J'assume pas trop cette blague. Oh, putain. Adieu. Je préfère mourir. Et bah les amis, il est temps de prendre un petit bain. Je vais juste tester avant, je la pose là. Parce que normalement... Bah pourquoi tu pleures, Henriette? Mais non, pas du tout, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et prendre un bain, c'est super cool. Est-ce que c'est pas super cool? Si, c'est super cool. Voilà, tu vois, il l'a dit. Bah ça me paraît être une bonne température. Ça a l'air plutôt bien. Et donc, c'est le moment, Henriette, de prendre un petit bain. Alors, pour des raisons évidentes de démonétisation potentielle, ce sera son maillot de bain, d'accord? Elle est en maillot de bain. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Moi. Et voilà. Vous voyez, c'est pas si compliqué au final de faire attention à un enfant. On a fait l'expérience d'être parent pendant une journée, et c'est pas si difficile. Non, franchement, ouais, je dis surcoté. Mais putain, Henriette. C'est pas compliqué au final de s'occuper d'un enfant. Si on est consciencieux, sérieux, attentionné, qu'on donne de l'amour, c'est pas si difficile. Ça va, elle a l'air posée là. Gros, elle est archi bien, mec. Oh, elle est trop mignonne, regarde comment elle s'amuse. Bon bah les amis, après cette grosse journée, on va laisser Henriette prendre son petit bain. Là elle m'a l'air plutôt posée, plutôt ok. Bref, tout ça pour dire qu'après le bain, il restera le dernier biberon, et ensuite au lit, et je serai enfin libéré de cette journée. Que tu devras recommencer pendant des années et des années, tous les jours. Ah bah ouais, mec. Eh ben écoutez les amis, c'est bon pour le bain d'Henriette, tout s'est bien passé, j'en ai pris très très soin. Vous pouvez me faire confiance, regardez comment elle a l'air sereine et apaisée. Montre-leur que t'es contente. Vous voyez, elle est très contente. Donc on va la déposer dans son petit berceau, on prend sa tétine, on lui donne pour éviter qu'elle pleure, voilà, et on lui souhaite une bonne sieste. Bonne sieste, Henriette. Et nous, on va pouvoir se caler tranquillement là, et faire une petite pause jusqu'à du coup 20h15, où je donnerai son dernier biberon. Voilà. À toutes. Alors, il s'est passé un truc. Faut que je vous explique. En fait, pendant le moment où Henriette, elle faisait sa sieste, bah je me suis dit, je vais faire un live. Comme ça, je termine à peu près à 20h30 dans ces eaux-là, et on est bon. Et j'ai un peu dépassé. Bon, hey, c'est pas grave. Elle a fait une sieste plus grande que prévu. Est-ce qu'elle va s'en plaindre? Regardez, elle est très contente, n'est-ce pas? Mais non, on pleure pas, Henriette, voyons, mais attends, mais n'importe quoi. Eh hey, oh, ça va aller. Ah, ça annonce que du bon pour l'avenir, ça. Non, évidemment, on n'oublie pas son enfant, ok? Et voilà pour le dernier biberon. Et après, c'est fini. Maintenant, tu vas boire ce petit biberon, là, et on en parle plus.
Sinon, comment ça va, vous? Est-ce que je vous ai déjà dit que vous étiez des petits BG? Des petits BG qui devraient s'abonner à la chaîne YouTube? N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, c'est carré. Bon, voilà, on va dire que pour Henriette, c'est terminé, le petit biberon. Maintenant, le petit rot. Toujours aussi efficace. Et je suis libre. C'est bon, c'est fini. On va la coucher une dernière fois. Henriette, voilà, hop là. Passe maintenant une excellente nuit. Hop, et voilà. On est bon ou pas là? Est-ce que c'est carré? Allez, on se retrouve au studio pour débriefer. Et la journée est enfin terminée. Et je suis épuisé. Pourtant, c'était un faux bébé. Et j'ai fait que de la merde. J'ai quand même essayé de tenir le rythme parce que c'était basé sur un vrai journal qu'une maman avait tenu lorsqu'elle elle a eu son enfant au tout début. Et je me suis basé au mieux sur ce rythme. Et putain, c'est fatigant. Alors que pourtant, c'était un faux bébé. Imaginez avec un vrai. C'est terminé. C'est la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis trop content. Vraiment, j'ai passé une trop bonne journée. C'était grave drôle de faire ça. Et évidemment, toute la vidéo est à prendre au second degré. Ça me paraît évident. Mais je préfère préciser pour la team premier degré là que je vois au bout là. Si vous avez passé un bon moment, le petit pouce bleu, l'abonnement. Je vous fais des bisous. Et comme vous le savez, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora et Henriette, elle dort, on va pas la déranger. Au revoir.